courir le Marseille-Cassis en utilisant son propre équipement pour s'hydrater, c'est le choix de 2000 ambassadeurs qui ont voulu soutenir l'initiative de la société Eau de Marseille Métropole et ainsi agir contre la consommation de plastique et pour la protection de la planète. Dans le cadre de notre politique de développement durable, il était normal que Marseille-Cassis prenne toute sa place. C'est quand même une course emblématique. Nous distribuons 150 000 bouteilles d'eau et nous menons une campagne contre l'utilisation du plastique. Donc il était de notre devoir d'agir. Et donc cette année, nous avons lancé la thématique d'une course éco-responsable. Donc nous sensibilisons le maximum de coureurs à utiliser leur équipement autonome. Et nous avons aussi demandé à 2000 ambassadeurs à qui nous avons offert des ceintures gourdes de porter cette démarche. On s'engage éco-responsable pour éviter de déverser du plastique au ravito pendant le Marseille-Cassis. C'est une super initiative, c'est vrai que chaque année on voit des bouteilles et des bouteilles sur toutes les courses qui traînent. Il y a plein de déchets, les gens jettent les bouteilles, les verres n'importe où. Et c'est voilà, un peu plus d'économie, un peu plus de respect de l'environnement. Voilà. Sur place, à la première heure, les agents de la SEMM ont installé spécialement des rampes d'eau, de l'eau de Marseille, avec laquelle de nombreux coureurs éco-responsables ont rempli leur gourde ou leur camelback avant le départ de la course. Et ça veut dire qu'eux aussi sont sensibles à la protection de la planète et souhaitent donc soutenir la démarche que nous avons initiée. Moi je viens de Belgique, c'est la première fois que je vois ça sur une course et je trouve ça que c'est une excellente initiative et que ça responsabilise tout le monde. Bravo. Et nous avons pu voir d'ailleurs au village les organisateurs d'autres courses, y compris du Marathon de Paris, qui se sont montrés intéressés par la démarche. La Fédération Française d'Athlétisme aussi, et nous pensons qu'elle va faire école. Ouais, c'est chouette. Ça me donne des idées même dans le boulot après pour instaurer ça dans mon entreprise. De cette action de sensibilisation, il faudra retenir l'engagement volontaire des coureurs éco-responsables et retenir aussi que, au-delà, en dehors du cadre des événements sportifs, cette action s'inscrit dans la lutte contre la consommation excessive de plastique à l'échelle de la planète.